hum, hum, hum. Le triple hum. Le hum d'humilité. Le hum d'humour. Et le hum d'humanité doivent être les trois hums qui doivent accompagner le coach dans l'accompagnement d'une personne. Toujours de l'humilité, on n'est jamais en position haute. Voilà. Mais surtout de l'humour, parce que ça des fois devient des fois un petit peu lourd. Voilà. Et puis être humain, comprendre, mais pas pleurer avec la personne. Ça c'est autre chose, être humain, mais pas pleurer avec la personne. Voilà. Écoutez, excusez-moi, j'ai un paquet de mouchoirs, je vous l'offre, mais je ne vais pas pleurer avec vous. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc triple hum. Et ça, c'est pas que pour le coaching, c'est dans la vie. Aujourd'hui, avec toute cette accélération qu'il y a, ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid, je pense qu'on doit être encore plus humble, parce qu'il peut arriver des choses que tu n'as pas pu, des signes noirs, comme on dit. Voilà, et je connais des personnes qui ont vécu de drôles trucs. Hein. Des gens qui disent « Ouais, ça y est, j'ai vendu ça, j'ai de l'argent de côté, je m'achète un restaurant, en début d'année, trois mois après, pim !» Donc, tu as foutu l'argent, tu as le crédit à rembourser, tu es maintenant obligé d'avoir deux fois moins de tables, et tu n'as pas deux fois moins de personnes, tu en as trois fois moins. On arrive le truc, arrive l'été, waouh, tu risques de déposer le bilan la première année où tu as mis le truc. Et ce sont tes économies, donc humilité, humilité et humour. Voilà, il faut vraiment être détaché. Voilà, donc les trois caractéristiques du coach, voilà. Et tu peux le dire, moi c'est des choses que j'aime bien dire, parce que j'aime bien être un petit peu un trublion pour sortir les gens de leur schéma. Tu poses une question et la personne ne te répond pas, tu dis hum. Vous connaissez pas le triple hum, non, c'est quoi? Ben, le hum d'humilité, le hum d'humour, le hum de humanité. Voilà, et tu l'as permis, si tu veux, de sortir de ça, de faire rire et de te mettre sur un plan différent.